naturellement, les talibans veulent être reconnus. Ils veulent que les sanctions soient abolies, ils veulent l'appui financier, et ça donne un certain levier à la communauté internationale. Ce que je pense, c'est que naturellement, nous n'avons pas encore un gouvernement reconnu internationalement, mais il faut aussi, à mon avis, éviter une situation de dégringolade économique qui puisse créer des conséquences humanitaires absolument affreuses pour le peuple afghan. Et notre devoir, c'est d'éteindre notre solidarité à un peuple qui souffre énormément. Il y a des millions et des millions qui risquent de mourir de faim. Il nous faut absolument répondre à ces besoins. C'est pour ça que nous avons lancé un appel et que j'organise à Genève le lundi une conférence au niveau ministériel pour mobiliser la communauté internationale pour l'aide humanitaire. Il faut que les principes humanitaires soient respectés pour l'aide humanitaire au peuple afghan.